Comment va Madame le maire? Ça va? Je voudrais, avec votre permission, saluer la présence de certains membres du bureau municipal, de certains et saluer aussi vous, mesdames et messieurs de la presse, qui avez bien voulu répondre à notre invitation. Saluer aussi l'opinion nationale et réseaux sociaux présentement. Dire que j'ai souhaité aujourd'hui communiquer d'abord en particulier, mais en général avec le peuple sénégalais, sur une volonté manifeste de un certain leader. Le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, M. Khalifa Ababacar Sall, ainsi que certains responsables de premier plan de cette coalition, lors de l'installation du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar. Je voudrais d'abord dire que nous avions été installés à la tête de la ville de Dakar depuis maintenant plus d'un an. Et lors de cette installation, nous avions procédé bien sûr, ainsi que du maire adjoint spécial à la ville de Dakar pour le compte de la commune de Gorée. Et je suis homme. Dans mon entendement, j'étais élu au suffrage universel direct. Et que ceux qui venaient par le suffrage indirect n'étaient pas élus au suffrage direct lors de l'installation du bureau municipal. Nous avions, sur ma demande, et je le répète, sur ma demande exclusive, que le poste de premier adjoint puisse revenir à nos colistiers du parti PASTEF, avec qui nous partageons jusqu'à présent du peuple Yewi Askanwi. Et le premier adjoint de l'époque se trouvait être le responsable PASTEF de ce poste. Cette décision a été heureusement ou malheureusement attaqué en justice, et une décision de la reprise de l'élection du bureau municipal pour non-respect de la parité nous a été notifiée, et l'information de façon objective qui verse plus dans l'émotion, dans la passion et dans la sensation, que nous vivons dans une république. Et dans une république, les décisions de justice s'imposent aux citoyens que nous sommes, quels que soient nos rangs, nos grades et nos titres. Je voudrais le contrôle de l'égalité qui s'impose à moi. Je voudrais dire aujourd'hui que quand je reçois une décision de justice que je refuse d'exécuter, le préfet de Dakar, de par le Code général des collectivités locales, qui est une loi, a le droit de faire imposer la loi. Je vous donnerai un cas de jurisprudence, centralisation. On avait demandé au maire de Dakar, à l'époque, M. Khalifa Sall,
de faire voter un deuxième budget dans une même année budgétaire, ce qu'il avait refusé avec le conseil municipal de faire. En tant que maire de Dakar, je refuse de payer les salaires. Le préfet de Dakar fera payer les salaires à ma place. Je rappelle que si demain je refuse de donner des subventions, de donner des bourses à des jeunes Dakarois demandeurs de bourses, le préfet de Dakar a le pouvoir de le faire à ma place. Donc je voudrais dire à ceux qui sont en train de verser, c'est de ça qu'il s'agit, qu'ils sachent que cette décision de justice, l'arrêt numéro 36 rendu par la Cour d'appel, s'impose au maire de Dakar que je suis. On refuse de s'y soumettre. Le préfet de Dakar a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un conseil municipal et que nous avons ouvert une séance ordinaire de ce conseil municipal a proposé un ordre du jour de 8 points. Et parmi ces 8 points, il y avait le point qui consistait à reprendre la composition par une nomination. Je n'ai aucun pouvoir, moi, Barthélémy Diaz, de sortir un conseiller municipal ou de mettre un conseiller municipal. Nous faisons de la politique et en politique, nous cherchons dans un premier temps à avoir le consensus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier adjoint ne pouvait pas être un homme. C'était impossible. Alors, il faut savoir raison garder. Du bureau municipal. Je souhaiterais que les journalistes, j'ai fait véhiculer cette fiche, je pense que vous tous vous l'avez, vous les distribuez et vous allez voir vous-même la première monture. Elle est là. Voici la première monture. Et ça, nous l'avons arrêté. Le premier adjoint est Tahaou, c'est une femme. Le deuxième adjoint est un homme de Yeri Askanbi. Mais pour nous, Yeri Askanbi, c'est d'abord un esprit. Parce que personne ne nous fera croire à nous que M. Cheikh Bamba Gueye n'est pas un opposant. C'est le pastef. Je rappelle que Mme Mami Aoudjian est la présidente des femmes du département de Dakar et au besoin, vous pouvez aller vérifier. Et on me dit que dans un certain réseau social, pour ne pas dire dans certains réseaux sociaux, on vient nous faire croire maintenant que subitement on a renvoyé Mme Mami Aoudjian. C'est quel genre de parti ça? C'est quoi des partis où on renvoie des gens sans passer par les instances de base? Seulement parce que les gens ont accepté de servir le peuple de Dakar. Le quatrième adjoint est un homme et il est du pur. Le cinquième adjoint est une femme, elle est de Tahaou. Et le sixième adjoint est un homme, il est du pastef. Et il faisait partie du premier bureau. Et son nom est là, Mohamedou Mokhtar Magasouba. Que je salue au passage parce que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect. Mais je respecte aussi sa posture. Il a choisi de ne pas siéger au niveau du bureau municipal. Il a bel et bien été approché. Son nom figure en sixième position. Il a décidé, lui, de décliner l'offre. Le septième adjoint est une femme et c'est le pur. En l'occurrence, Mme Jacqueline Faye-Bayen. Le huitième adjoint est un homme et c'est le grand parti. Le grand parti du président Malik Gakou, que je salue au passage. Je voudrais rappeler que le grand parti n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers. Et on leur a donné un poste d'adjoint. Et je rappelle que M. Maouloud Diakhaté du Grand Parti était aussi membre du bureau municipal dans le premier bureau municipal. Là, elle est du parti PEM.
Le PEM, c'est le parti du ministre d'État Habib Sy. Je rappelle que Mme Khadija Sylla faisait partie du premier bureau. Il figurait dans le premier bureau municipal et il figure aussi dans le deuxième bureau municipal. Le dixième poste revient à de Dakar, en l'occurrence Bassirou Sambre. Le onzième poste revient à Bestouniak, Bestouniak de notre tonton Serigne Mansour Sy Djamil, représenté par Mme Aïdénia. Et sur 100 conseillers, je peux vous dire que il y a à dire et à redire, mais Mme Aïdénia s'est investie personnellement tous ses camarades du département de Dakar au niveau de Bestouniak pour faire triompher notre liste. Le 12e poste revient au Tahaou. Le 13e poste revient au parti 7 du ministre Mustapha Guirassy, représenté par Mme Madina Hadi Tall. Et sur 100 conseillers, le parti 7 n'a qu'un seul conseiller. Et je peux continuer comme ça. À la 17e place, vous avez Mme Nzale Carmeline Eva Kasoka du PASTEF, que je salue au passage et pour laquelle je réitère mon respect et ma considération. Et je respecte sa posture. Elle a aussi décliné le siège. Et je rappelle qu'elle aussi était membre du premier bureau. Alors il faut qu'on sache raison garder. Parce que vous savez, nous, la différence entre nous et certaines personnes, c'est que nous, on parle français. Alors ceux qui ne parlent pas français devront aller ouvrir le dictionnaire et regarder la différence entre éviction et bouderie. Éviction, c'est quelqu'un qui est éjecté, évincé d'un compte d'un bureau municipal. La bouderie, c'est celui qui boude. Le bureau municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas un jardin d'enfants. Et le conseil municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas non plus une garderie d'enfants. Nous sommes là pour servir le peuple de Dakar. Nous allons le dire clairement et à haute et intelligible voix. Nous avons pris, nous, l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité, dans la solidarité, mais aussi dans la responsabilité. Je prends à témoin la conférence des leaders et je prends à témoin tous les 100 conseillers de la ville de Dakar. Lors de l'élection et de l'installation du premier bureau municipal, chers amis, il avait été retenu devant vous tous, vous êtes des témoins, la présence de la coalition Benno Bok Yakar dans le bureau municipal. Pourquoi? Parce que le conseil municipal de la ville de Dakar, c'est 100 conseillers municipaux. Benno Bok Yakar, à elle toute seule, c'est 33 conseillers, c'est le tiers du conseil municipal. Je viens de vous citer des partis qui n'ont qu'un seul conseiller sur 100 conseillers et qui sont membres du bureau et qui sont membres de Yewi Askanbi, le grand parti du président Malik Gakou n'a qu'un seul conseiller. Il est membre du bureau municipal, membre de Yewi. Le parti du ministre d'État Habib Sy n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres de Yewi Askanbi, ils sont membres du bureau municipal. Le parti du ministre Mustapha Guirassy n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres du bureau municipal. Et ils étaient tous membres du premier bureau municipal aussi. Hein. Rien n'a changé. Aujourd'hui, nos collègues du PASTEF, en l'occurrence, notre ami Mortar Magasouba et notre grande sœur Madame Carmeline Kasoka, ont décliné les propositions qui leur ont été faites. Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF. Maintenant, le pourquoi, il faut aller leur poser la question. Je le répète, ce n'est pas une garderie d'enfants ici. Lors de l'installation du premier bureau, nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Benno Bok Yakar. Nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal, à venir servir
et travailler pour le peuple de Dakar, ce qu'ils ont accepté difficilement, je le répète très difficilement, mais j'en rends grâce à Dieu. Parce qu'une fois l'élection derrière nous, il n'y a plus de parti politique. Ce qu'il y a, il n'y a qu'un seul parti politique, ce parti s'appelle le peuple de Dakar. Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts. En quoi faisant? En invitant aussi nos amis qui sont conseillers et conseillères à la ville et qui sont venus par le biais de la liste Wallou Sénégal du président Abdoulaye Wade. Nous avons invité M. Mohamedou Diop, communément appelé Ahmed Diop, qui vient de la liste Wallou de la commune de Biscuiterie, à bien vouloir aussi intégrer le bureau municipal.